La chirurgie a été faite. J'ai fait les seins, le ventre et tout ça. Je serai la présidente du BBL. C'est un mètre graisse dans ton cuit. C'est un truc qui est vraiment très dangereux. Mais c'est quoi ça encore? Hey! Aujourd'hui, la chirurgie esthétique commence à être accessible à tout le monde. Il y a beaucoup. Elles sont en train de chercher leurs 2 millions, 3 millions pour aller faire. Il y a une là même là, elle aussi elle a changé ses seins là. C'est l'espace comme si on dirait autoroute du Nord. Fonca. Il y a une là même là, elle est devenue blanche. Elle dépasse Michael Jackson. Hey. Voilà Lolo Beauté aussi. On ne savait pas qu'un jour elle aussi elle allait se transformer en Michelin. Lolo Beauté a fait aussi. Elle allait mettre pimpin aussi dans ses fesses. Elle allait mettre aussi pimpin dans ses seins. C'est la nouvelle technologie. Ah bon ouais. On ne savait pas qu'un jour toi Lolo Beauté tu allais faire chirurgie. Maintenant on a fini de faire nos enfants. On veut profiter de notre live. C'est pas toi Lolo Beauté qui a insulté mon aigle qui ici. Tu l'as traité de Miss Evea. Quand c'est ça, on dirait un mur de Berlin. Voilà, toi aussi, tu allais te transformer en Miss Evea. Vous allez nous critiquer jusqu'à vous serez fatigué. Vous partez vous transformer maintenant en Evea. C'est pas Pimpin là, tu allais mettre dans tes fesses là. C'est pas Evea là, tu allais mettre dans tes seins et tes fesses là, Lolo Beauté. Toi-même, tu te tiens. Tous les produits qu'elle a pour changer la couleur de son teint là, tu l'as fait. Elle avait juste arrangé ses seins, tu as mal. Quand tu vas faire 4 enfants, 5 enfants de 5 pères différents, ensuite viens t'asseoir et parle-nous. Elle a fait au moins, en plus de la couronne de ça, Lolo Beauté a fait au moins 5 enfants. Donc c'est normal aujourd'hui qu'elle se retouche. Toi-même, tu as faux aussi, non? Depuis qu'elle a commencé le pistolet rouge, moi j'avais déjà faux. Ah bon, ouais. Moi, ce sont mes gains, donc moi là, c'est réalité. J'attrape mon ventre. Moi, j'ai pas fait chirurgie de ventre, rien. C'est vous là qui partez faire chirurgie. Après, vous venez mentir aux femmes. Que vous vendez d'elles. Vous vendez médicaments pour grossir fesses. Tu m'entretiens. Menteuse, le toi. Ceux qui font les opérations là, c'est à gage que eux. Pourquoi elles font ça même? Il y a des femmes qui ont fait 4 enfants, 5 enfants. Le gars, il est parti. Ses seins sont tombés en vrai placard. Parti. Elle veut remonter ça un peu. Pourquoi elle veut les remonter? Parce qu'elles ont constaté que nous, les hommes, là, c'est ce que nous on aime. Ah, moi-même, j'aime le lolo pointu. Il y a des femmes qui se sont battues comme étant de l'argent et qui veulent se faire plaisir pour se sentir belles. Lorsqu'elles marchent, elles sentent que leur cul, là, ça fait alléluia, amen. Quand tu es une femme, tu marches dans les rues que personne ne te drague, c'est une malédiction. Il y a longtemps que je dis que je dois me retaper. BBL, vous partez faire là. C'est quoi le but? Parce que j'ai fini de faire mes enfants. Je me dis, je dois me retaper pour me plaire à moi et plaire à mon mari. Donc, tu as déjà fait ça? La chirurgie a été faite. J'ai fait les seins, le ventre et tout ça. C'est un mètre graisse dans ton cuit. Pas de mettre 5 millions dans la chair. La chair qui va se dégrader, qu'on va oublier là. Pas de mettre 2 millions, 5 millions dedans. Toutes celles qui ont les seins tombés, celles qui n'ont pas des fesses, clairement, vous vous moquez de ces femmes comme ça. Et alors, une femme comme ça, quand elle a les moyens d'aller se refaire pour qu'enfin on la regarde, vous la jugez encore, mais au juste, vous voulez quoi? Vous êtes les premiers à insulter. C'est pas c'est dangereux. C'est quelque chose, on joue pas avec. Si vous n'avez pas l'argent pour aller refaire un peu votre corps, fermez vos gueules. BBL, là, quand tu fais là, pour avoir l'argent pour défaire, c'est un autre level encore. Vous n'êtes ni docteur, ni chirurgien, vous n'avez aucun diplôme en médecine. C'est vous qui m'ouvrez pour venir emmerder les gens. L'opération est risquée. On peut mourir. Arrêtez-moi, c'est un peu là. C'est pas vous n'avez rien que vous êtes jalouse. BBL, c'est très risqué. Donc, mets tuyau dans le ventre pour enlever la graisse. Le BBL, on met pas tuyau dans ton ventre là-bas pour l'enlever. C'est la graisse, c'est superficielle. Ils sont allés à l'école pour ça. C'est un truc qui est vraiment très dangereux. Comme on a valorisé maintenant le BBL, ça vous fait mal. Vous pensez que vous faites du mal à qui même? Ils vont exercer sur nous. Et si vous voulez prendre votre épaule, vous aimez ça sur vos fronts, on s'en fout. Voilà, c'est ça. Vous êtes fâchés, vous sucez le courant. Quand toi-même tu regardes les hôpitaux qui sont en Côte d'Ivoire, graisse t'as mis dans ton cul là, le jour ça commence à sortir, quelqu'un qui peut te sauver. Encore, le BBL vivra, je serai la présidente du BBL. Hey! Vous emmerdez les gens avec vos histoires de BBL là. Voilà. Moi je vais dire à une femme aujourd'hui, si tu te sens pas bien dans ta peau et que tu as envie de refaire quelque chose, vas-y fais-le. Vous
vous allez venir encourager nos soeurs à faire aussi. Ça ne fait même pas 2 mois, je pense, de cela qu'une influenceuse américaine, après avoir accouché, elle a voulu subir une opération de BBL. Malheureusement, en pleine opération, elle a fait une crise cardiaque. Elle ne s'est plus jamais réveillée et elle s'en est allée comme ça. Tu vois, non? Tu peux voilà, aller sur le lit d'hôpital, mais sans jamais te réveiller, il y a de très fortes chances. Dans 50 ans, on va voir le résultat. Je vais vous mettre une vidéo d'une personne qui n'a pas écouté et a allé faire. Mettez la vidéo en voix. Comment Louise va te faire? Hey! Milou, rentrons, faut pas que tu vas rentrer dans ma bouche. Ferme-moi. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Tout le long que vous m'avez regardé, vous n'avez qu'à vous abonner. Ok.